Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et ce sera un tuto en résine et polymère. Et je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite méduse que j'ai enfermée dans une fiole en résine. Donc pour commencer, je suis venue prendre trois sortes de pâtes différentes dans les tons translucides. Un translucide classique et deux bleus différents. Donc dans mes outils, je viens prendre un bol tool, pas trop gros, pour qu'il puisse rentrer dans la fiole. Ça, tu comprendras après. Enfin bref, voilà. Et je suis venue faire un bouli-boulga. Donc avec mon petit boulgui-boulga, mon petit marbré, on va appeler ça comme ça, je viens prendre un petit morceau que je viens aplatir légèrement et je viens mettre ça sur mon bol tool. Donc je viens faire un petit trou sur le sommet de la méduse pour pouvoir mettre une tige après et ça va m'aider pour la cuisson pour éviter que les tentacules ne s'affaissent. Enfin bref, ça c'est pareil, tu comprendras après. J'ai fait une petite pré-cuisson avec le heat gun, rapidement, pour éviter de déformer par la suite. Et donc là, rapidement, on voit la différence avant et après cuisson. Ça a un tout petit peu changé de couleur. Et je laisse ça de côté pour que ça refroidisse, tranquillement. Et maintenant, avec le reste de pâte, je viens faire mes tentacules. Et là, je me suis amusée à en faire plusieurs différentes, des tailles, des formes. Enfin bref, je me suis amusée, quoi. Donc maintenant que j'ai toutes mes petites tentacules et que mon petit chapeau a eu le temps de refroidir, je peux l'enlever tranquillement du bol tool, sans souci. D'ailleurs, si on n'a pas de bol tool, on peut le remplacer par une bille. C'est comme ça que je faisais avant d'avoir un bol tool. Maintenant, je viens mettre ma petite tige à l'intérieur. Je rajoute un morceau de pâte pour pouvoir accrocher mes tentacules. Une petite dernière pour la route. Allez, hop, c'est parti. Je viens faire un anneau avec ma tige et maintenant je prends un mini verre, une autre tige et je laisse suspendre ma méduse à l'intérieur comme ça pour pouvoir la cuire facilement et sans qu'elle ne se déforme. Et voilà! Bon, j'ai dû changer de fiole entre temps parce que ma méduse était beaucoup trop grande par rapport à la fiole. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Donc maintenant c'est parti, je viens prendre de la résine que j'ai teintée en bleu avec des encres à alcool. Et j'ai décidé de rajouter quelques petites billes à l'intérieur. Ça c'est optionnel bien évidemment. J'ai pas rempli la fiole entièrement avec du bleu parce que sinon la méduse, vu qu'elle est déjà bleue, elle serait passée inaperçue. J'ai juste fait le fond de la fiole. Et j'ai rajouté mes petites billes à l'intérieur. Donc vu que c'est de la résine époxy, je laisse sécher ça tranquillement pendant 24 heures. J'oublie pas de mettre la méduse à l'intérieur avant. Et maintenant que ma petite méduse est bien prise dans la résine, que le bout des tentacules est pris à l'intérieur, maintenant j'en ai plus besoin de ma tige donc je peux l'enlever. Je coupe ma tige à ras pour éviter que ça se voit après. Je viens tout simplement rajouter de la résine translucide, remplir la fiole entièrement.
Je laisse sécher ma résine tranquillement à l'abri de la poussière et de la lumière. Et puis bah voilà, le tour est joué. Voilà ma petite méduse enfermée dans une fiole. Et donc voilà le résultat final de ma petite fiole avec la méduse à l'intérieur. Le petit bijou est disponible sur ma boutique, mais bien évidemment, je dis ça, je dis rien. Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo t'aura plu, intéressé, donné des idées, t'aura aidé. N'hésite pas à me dire tout ce qui passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!